Bonjour, c'est Arnaud Pomonikis. Aujourd'hui, je vais vous commenter une interaction faite en caméra cachée par un élève en atelier mise en orbite. C'était un élève en fin de 3 mois de suivi avec nous et c'est l'une des meilleures interactions, sinon la meilleure interaction que j'ai vue. Je pense que vous allez être d'accord. Je vais tout de suite vous laisser regarder l'interaction. Ensuite, je vais faire un petit commentaire pour décortiquer, pour expliquer ce qui se passe dans cette interaction. Et ensuite, je vais vous mettre en synthèse écrite pour que vous puissiez voir les points clés de cette interaction. À noter que c'est très important et très intéressant à voir. Parce qu'il a abordé un groupe en journée et on n'était pas sûr si dans le groupe il y avait un couple. Et il a quand même craqué sur la fille qui était peut-être en couple. Donc je lui ai donné une phrase de Jedi, comme il disait, pour aller cerner un peu si ou non la fille était en couple, pour ensuite pouvoir continuer l'interaction. Donc c'est tout de suite chez Monikis. Excusez-moi, un instant. J'étais en train de filmer un film là dans le parc. Et en fait, je vous ai vu et je voulais vous dire que vous formez un super beau couple. Ah, vous êtes pas. Bah écoute, on est en 2017, hein, ça peut se faire à trois, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes étudiant, hein, vous êtes du quoi? On est étudiant, c'est ça. Carrément. Vous faites quoi comme film? C'est quoi? Bah, en fait, c'est. Moi, je suis pas souvent sur Paris et on filme pour la mère d'un pote anglais. Elle veut voir Paris, elle est jamais venue dans le coin, donc cool. Je pense que c'est le bon jour pour avoir une belle luminosité. Bah ouais, ouais. Et je vous parle comme ça, je me suis même pas présenté. Max, Salim, c'est ça. Gaël, Gaël. Marie. Par contre, vous paraissez assez jeune, non? Ouais, vous avez quel âge? 21. En fait, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je croyais que vous étiez en couple, en fait. Ouais. Mais vu que vous ne l'êtes pas, je t'ai vu, toi. Et je te trouve adorable, je voulais absolument venir te parler. C'est trop mignon. Mais tu sais, j'allais pas dire si c'est ta nana, j'allais pas lui dire ça se fait pas, c'est un manque de respect pour toi. Voilà, donc. Je crois que c'est ça ton Tinder. Je suis pas. Voilà. Tu vois bien, je suis un mec normal, j'avais envie de prendre l'attention de votre copine juste 30 secondes. Et. Je pense que ça lui déplaît pas, elle rigole bien. Je crois que c'est ton haut de couleur un peu bordeaux qui m'a un peu attiré. Bah écoute, je pense qu'il faut être sincère. Bah ouais, voilà. Ouais, quand tu vois quelqu'un qui a l'air intéressant, voilà, faut le dire. C'est ce qui s'appelle créer du lien social. Ouais, les gens n'osent pas dans la rue, tu sais, parler juste comme ça et la personne, excuse-moi, je te connais pas, mais voilà. Bah en fait, tu vois, je suis pas parisien. Et ouais, à Paris, c'est à Paris, je commence à parler aux gens dans le métro, tout ça, et parfois les oui. réactions, c'est putain, un être humain qui me parle, quoi. Ouais, ici, toi, Bretagne. Ouais. Ouais, bah, moi, c'est plus chaleureux, toi, tu fais un peu bretonne, toi, d'ailleurs. Ouais, mais ouais, parce que j'ai de la famille en Bretagne. Ah, bah, et tu vois. De Toulouse. Ah, tu viens de Toulouse? T'as pas du tout l'accent. Ah, ouais? Putain, mais il faut que me faire chier avec mon accent. Mais du coup, toi, t'es pas un peu d'origine. Avec les cheveux blonds, tout ça, africaine ou un truc comme ça? Pas trop. Pas trop? C'est un peu plus vers le nord, non? C'est bah, de plus, genre un peu Pologne, tout ça. Pologne, tout ça? Voilà. Non, moi j'aurais pas du tout dit ça, j'aurais dit, je sais pas, Suède ou un truc comme ça, quoi. Ou Autriche, peut-être? Non, c'est Pologne, alors, Europe de l'Est. Pas Pologne, Italie, Hongrie. Pologne, ça, Italie? Ça, j'adore. C'est ça. C'est pas trop. C'est ça. La frontière entre les deux, c'est pas mal. C'est ça que j'adore à Paris, c'est que voilà, trois potes, trois origines différentes. Oui, franchement, c'est trop cool. De France, hein, mais genre des origines plus longues. Ouais, mais c'est intéressant de reconnaître de connaître les origines des gens. Et je t'avoue que parmi les gens que j'ai croisés aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Et je voyais dans ton regard qu'il y avait quelque chose de. D'Europe de l'Est. Les gens qui picolent là-bas, qui sont à l'Est. Ils ne picolent pas encore. Grave. Et qu'est-ce que tu fais en fait par ici? On est à la fac, nous tous. On est, voilà, nous trois. Sinon, on se promène. Commerce? Non. Toi, tu me fais penser à un mec qui est dans le business, mais vous deux, pas forcément. Bah, c'est l'air en vert, on fait un truc très, tout, hein. très sexy qui est la comptabilité. Voilà. Ça fait rêver. Je pense qu'il est audit, compta. Ah, t'es dans la compta? Non, on est Ah, c'est.
T'as entendu l'énergie? T'es dans la compta? Ouais, grave. Oh, ça arrive, il y a des gens qui font ça dans la vie. Toi aussi, t'es dans la compta? Non, mais je critique pas, ma mère était dans la compta, donc. Dans le business, il n'y a que la chemise qui fait l'or dans le business, mais sinon, pas trop, tu vois. Ah ouais, quand t'enlèves la chemise, on sait pas que t'es. Je sais pas trop, quoi, je suis business ou pas business. Hein. Ça te va pas si. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Ouais. Qu'est-ce que... Oh là là, les mercantiles. Ah, je suis déçu là. Qu'est-ce que tu trouves de passionnant dans la compta? Non, en fait, c'est pas la compta qui m'intéresse. C'est genre le fait de pouvoir analyser la société par des chiffres, tu vois. Ah, t'es une curieuse en fait, tu veux savoir les chiffres et... Mais moi, c'est pour ça que je... Je sais pas, c'est pour ça que j'écoute. La compta, c'est pas passionnant. J'ai l'impression que t'aimes bien le côté maîtrise des choses dans ton caractère. Ça se sent. Mais toi, je suis pas sûr. Enfin, c'est pas ce que tu dégages. C'est pour quelle raison tu fais ça en fait? Parce que ça m'intéresse aussi de comprendre comment tout fonctionne. Mais en fait, c'est le même que ta copine. Je sais pas quelle personnalité faut avoir pour être comptable. C'est quand même un petit peu austère comme métier. Après, moi, c'est faux de dire qu'ils sont ennuyeux. Enfin, ouais. On est en comptable. Moi, je ne dis pas d'être comptable ni expert comptable. Hein. Loin de là, cette idée. Expert comptable, peut-être. Expert, t'as un côté pédagogique et sympa, tu vois. Côté conseil, autant que moi. J'étais 8 ans en flemme. J'avoue que mon expert comptable, elle a ce côté conseil. Et, ses collègues comptables, elles sont là plus pour le chiffre. Oui, en fait, les comptables de base, entre guillemets, ben, c'est un peu bête comme métier. Enfin, c'est bête et méchant, quoi. Ouais. Mais après, quand t'es expert, ben. Il y a tout un côté où tu vas aider les gens qui galèrent un peu à faire leur truc et tu les aides à... Je trouve. C'est cool. Sinon, il vient de ton collier, là. Il a l'air fun. Sérieux? Mais c'est marrant que tu me poses ça parce que t'es quelqu'un d'assez spirituel, non? Toi, t'es un gars spirituel, un peu, non? Pas du tout. C'est bizarre que tu sois attiré par ça, tu vois. Ça, c'est une amie, enfin, c'est une ex qui m'a offert ça, qui est bouddhiste. Et c'est un mala. C'est un peu le chapelet des bouddhistes. Okay. Tu vois, quand tu fais la méditation, tu récites tes mantras et tu comptes en même temps. Et tu fais tout le tour. Alors faire le tour... Faire le tour, il faut si, un peu de temps. Tiens, si tu veux le tenir. Les perles, là, j'adore la sensation des perles. Ouais. C'est un peu déstressant comme truc. C'est vrai. Putain. Mais il est beau. Et c'est personnalisé. C'est pour ça. Tu choisis... On n'en voit pas souvent des colliers comme ça. Voilà, tu choisis tes couleurs en fait. Okay. Tu vas voir un expert qui fait ça et il te dit quelles sont tes deux couleurs préférées. Toi, c'est le bleu. Non, c'est le vert, mais bon, il y avait que ça. Tu t'es brouillé, voilà. Bah, c'est cool de vous avoir rencontré. Je reviens de temps en temps sur Paris. Hier soir, je suis sorti au BHV, le rooftop. Ouais. Je sais pas, vous connaissez un petit peu? Ouais, souvent je sors le samedi soir. On peut échanger nos numéros. Et enfin, c'est surtout le tien que je veux. Mais je trouve cool, Salim aussi. Franchement, t'as. Moi, je suis pas souvent là le week-end. T'es pas souvent là le week-end? Bah, si t'es pas là. C'est pas grave. Écoute, ça n'engage à rien. On échange nos numéros, ça se trouve, je te rappellerai pas. Ça se trouve, tu me répondras pas. Ou peut-être que si. Et on se fera une sortie. On ferait peut-être découvrir un endroit sympa. Allez. Je regarde déjà si j'ai mon iPhone. Le voilà. Toc. C'est de la magie. Rappelez-moi déjà vos prénoms parce qu'on a tellement, on est tellement parti loin. Putain, il n'y a que le tien que j'ai retenu, ça se fait pas. Ça retient le sien, attends. Salim, la bretonne. Gaël, ça c'est cool. Ouais. Marie. Pourtant, j'aurais dû retenir, c'est tellement classique. Voilà. On va pas dire autre chose. Oh, c'est vieillot. Pourquoi tu croyais que j'allais dire quoi? Banal. Oh, c'est vieillot. Non, j'aurais pas dit ça, attends. Manque de respect, non, j'aurais pas dit ça. Non, c'est joli comme prénom, mais c'est classique. Tiens, je te laisse mettre le numéro. Quand même, ok. Qu'est-ce que... Si je reviens un week-end, je reviens à peu près une fois par mois. Qu'est-ce qui pourrait être cool de faire? On n'est pas parisiens tous de base. Le brunch du Crous. Ça, c'est hyper cool. Le Crous, là, il fait un brunch sur une péniche. Ah, mais le Crous, c'est un truc étudiant. Ouais, mais moi, j'ai pas de carte étudiante. Tu sais qu'en fait, moi, il y a des vieux. Enfin, je sais pas si t'as vu. Ah, mais moi. Il y a des vieux aussi, ouais, parce que c'est une péniche et tout, c'est un petit bateau, c'est sympa. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est le mix des cultures et des âges aussi, par exemple. Ouais. Sur le rooftop, hier soir, j'ai rencontré des Écossais, des darons qui avaient 50 ans. J'ai été parler à des nanas qui avaient 18 ans. Enfin, il y avait de tout. Ouais. Et c'est vachement enrichissant. Ça, c'est où? C'est en haut du BHV? Ouais. Par contre, attends-toi à avoir une heure ou deux d'attente. À chaque fois. Ouais. Le Albert, il est à 15 balles, mais c'est sympa. Genre, le cadre est cool, je trouve.
Ouais, alors, de toute façon, toutes les soirées un peu classe et branchées à Paris, c'est cher. Hein. Ouais, forcément. Et encore 15 balles, j'ai vu pire. Des petits bars cachés, t'as des bars dans les endroits, genre le Lavois, des trucs comme ça. Est-ce que ça te dit quelque chose, je t'envoie un SMS, hein. Est-ce que ça te dit quelque chose, le derrière? Le restaurant, le derrière? De nom, ouais. Ouais, c'est pas un truc sexuel. Hein. En fait, non, ouais. D'ailleurs, je t'explique, la première fois que j'y suis allé, c'est un pote qui travaille dans la mode pour Barbara Bouy. C'est le représentant Barbara Bouy en France. Donc, il est gay, forcément. Et. Bah, un mec qui travaille dans la mode. Attends, on va pas se leurrer. Et il est en peignoir en soie chez lui. Il aime les chihuahuas. Tout s'explique, je ne dirai plus rien. Et il m'emmène dans un endroit, il me fait, je t'emmène dans un endroit hyper cool ce soir, ça s'appelle le derrière. Je fais, non, non. Je veux pas, non, merci. En fait, il m'a dit, si je t'assure, franchement, viens, c'est trop cool. Et en fait, c'est un restaurant, comme si c'était dans la maison de quelqu'un, en fait. C'est-à-dire, les tables de resto, elles sont limite dans le garage, et t'as des mecs qui jouent au ping-pong pendant que tu manges. Trop cool, ça. Et... à l'étage, le derrière, je crois que c'est dans le... Je sais plus si c'est le 7e ou le 17e, je sais plus. En tout cas, il m'a guidé, donc je savais plus trop dans quel arrondissement c'était. Et il m'a peut-être drogué aussi, d'ailleurs. J'étais perdu. La table de ping-pong, on sait pas trop si elle est là ou pas. Je te dis pas où, mais à l'étage, t'as une armoire, t'as plusieurs armoires, t'en as une. Tu ouvres les portes, tu pousses le fond, et le fond bouge, et tu arrives dans une pièce secrète. Où tout est inversé, les tableaux, tout ça, le chandelier au sol, c'est génial. Il y a toujours des trucs comme ça, tout ce truc. Ça m'a fait penser au monde de Narnia. Ouais. C'était trop cool. Bon, je vous laisse, je continue. Avec plaisir, Gaël, je te fais un bisou. Ah, pardon. Je voulais pas prendre ton sac, hein, je te rassure. Salim. Enchanté. Bah, écoute, Marie, bisous. Faites d'autres rencontres, quoi. C'est sympa, c'est cool. Carrément. À une prochaine. Salut. Donc voilà, une super interaction, peut-être l'une des meilleures que j'ai constatées. J'étais là avec la caméra, donc j'ai essayé de tout avoir, mais il y a beaucoup de personnes qui passent devant, ce qui est un peu dommage pour voir un peu le contact visuel qu'il faisait. J'en ferai référence bientôt. Mais il y a certains points que je voulais retenir pour vous pendant que vous étiez en train de regarder encore cette vidéo. Je vais aussi mettre un lien pour la version non commentée. Comme ça, vous pouvez, à l'appui de ce que je vais dire dans les 2-3 minutes qui suivent, suivre encore une fois la vidéo afin d'avoir voilà, juste la vision totale de la vidéo. Tout d'abord, il approche, il aborde, et il ne peut pas se permettre de dire « je te trouvais mignonne » ou « je te trouvais adorable » ou quoi que ce soit, parce qu'on ne savait pas si elle était en couple ou non. Et du coup, une phrase que j'ai apprise à Londres, quand il y a un couple, et ça marche en journée et en soirée, c'est d'aller aborder le couple, où il y a peut-être un couple, et de dire bah, « je vous trouvais très mignon comme couple ». Là, la force de ça, c'est qu'en fait, si on le dit avec beaucoup de sincérité, ça ne peut pas offusquer. Bien sûr, parce qu'on est en train de dire qu'on fait un couple mignon. Mais aussi, la force, c'est que si les personnes sont en couple ou non, vous allez voir de par la réaction. « Ah non, non, on n'est pas en couple, on va rigoler. » Ou bien on va dire « Ah ben merci, c'est très sympa. » Et voilà, vous pouvez voir tout de suite s'ils sont en couple. Donc, vous êtes déjà en train de cerner si ou non on est en couple. Et là, il continue parce que la réaction est un peu bizarre. Ils sont rigolés parce que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vous court après dans la rue pour dire que vous faites un couple mignon. Et ensuite, lui, oh non, en 2017, donc il continue en montrant son humour, en montrant que c'est un truc très normal pour lui et très banal. Et là, juste le fait de rester là, planté où il était, fixé sur le sol, à sourire, à faire preuve d'humour, ça montre sa confiance en ce qu'il est en train de faire, sa conviction en lui, dans sa démarche. Et ça transmettait au couple. Ensuite, il a remarqué donc, parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas un couple, et ce qui est très important de faire dans ce cas-là, c'est de basculer, de montrer l'intention sexuée. Et il l'a dit, et il a basculé en disant que, en fait, voilà, la raison pour laquelle je vous ai abordé, c'est parce que je te trouvais mignonne. Voilà, donc tout de suite, il a su cerner le couple. Il n'y avait pas de couple, il n'y avait pas de problème. C'était juste un groupe d'amis. Alors là, c'est un feu vert. S'ils étaient en couple, il aurait pu dire, bah, écoutez, c'était juste pour faire un compliment sur vous, sur le couple. Il aurait pu partir. Mais il a vu qu'elle n'était pas en couple, donc c'est un feu vert pour continuer et il fait les compliments. Donc à partir de ce moment-là, c'est une approche très normale, sauf qu'il y a l'effet de couple,
bien sûr. Et là, il montre avec son complément quelque chose de très fort. Et là, je ne peux que le féliciter de ça. Mais c'est parce qu'il a fait un suivi de 3 mois avec nous. Donc ça a aidé forcément parce qu'il a eu beaucoup de conseils et beaucoup de pratiques. Il a fait un complément sur son style, tout d'abord. Faire un complément sur le style, c'est quelque chose sur lequel elle a du contrôle. C'est quelque chose qu'elle a choisi. Ça veut dire que voilà, elle a choisi de faire ça. C'est pas juste qu'elle a des jolis yeux, de beaux cheveux ou qu'elle est belle. Qu'elle n'a pas forcément choisi, elle est née comme ça. Tant mieux pour elle, mais elle n'a pas choisi. Mais son style, elle l'a choisi. Elle a fait un choix exprès le matin même de s'habiller comme ça. Elle est en train de complimenter ça, donc c'est très fort. Mais aussi, il va un peu plus loin. Il aurait pu aller un peu plus loin en faisant une validation positive. Validation positive, c'est-à-dire qu'elle est choisie parmi d'autres filles. C'est pas juste parce qu'elle s'habille bien qu'elle l'a choisie, mais c'est parce que ce que je préconise de faire avec un compliment, c'est de dire OK. On choisit un attribut, genre le style, c'est bien habillé. Mais ensuite, d'aller plus loin en disant, je trouve qu'ici, dans ce quartier, ou ici, dans cette ville, ou ici, dans ce bar, peu importe l'endroit, mais vous changez selon les circonstances, je trouve que les filles, elles font pas autant d'efforts que tu as fait. Et là, c'est vraiment montrer à la fille que vous avez choisi elle par rapport à toutes les autres. Le fait que ça fait sur une fille, c'est très fort. Ce qu'il fait après, en fait, il monte une intelligence sociale, il parle au groupe. Il n'est pas juste en train de parler à celle qui lui plaît. Bien sûr, il lui accorde un peu plus d'attention, mais il parle au groupe. C'est difficile à voir, bien sûr, parce que la caméra, j'ai dû me planquer un peu loin, il y a des gens qui marchent devant. Mais vous allez voir qu'il a fait un contact visuel avec tout le monde dans le groupe. Il a regardé dans les yeux, il montrait sa confiance en lui, il montrait sa conviction, sa démarche, en faisant un bon contact visuel avec tout le monde. C'est très important de ne pas juste faire abstraction de tout le monde parce que ça peut être un peu malpoli aussi. Donc il reconnaissait la situation et là en fait ce qui est vraiment bien en fait c'est qu'il fait des suppositions non seulement sur la fille qui lui plaît mais sur tout le monde. Il disait toi t'es un tête de Breton, il faisait des suppositions. Ça apporte tellement de valeur plutôt que poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? C'est un peu chiant. Mais ou d'où vous venez? C'est un peu chiant. Il fait des suppositions. Une supposition, c'est presque une question sans en être une. Et ça apporte tellement de valeur parce que vous êtes en train de dire ce que vous pensez. Ah, vous avez une tête de bretonne, donc j'imagine que vous êtes bretonne. Et là, la personne voudrait savoir un peu dans son inconscient pourquoi tu penses ça. Et du coup, une supposition, ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Ce qu'il fait également, de par la vidéo, c'est qu'il est en train de montrer son univers. Et il ne change pas sa réalité pour être d'accord avec la personne. Et il ose dire ce qu'il pense, même si ce n'est pas l'avis des 3 personnes devant lui. Il ose dire non, je suis pas d'accord, ah, je suis déçu. Et là, c'est très fort parce qu'il n'est pas en train de dire, ah oui, ok, cool, oui, je suis d'accord avec vous. Là, ça n'apporte très peu à la conversation, ça n'apporte aucune valeur du tout si ce n'est pas le cas. Bien sûr, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire pourquoi vous êtes d'accord, vous pouvez vraiment créer un moment de magie avec cet accord, mais s'il n'est pas d'accord, il ne va pas juste changer son avis pour ça. Ça montre aussi que c'est un homme qui a ses valeurs, ses principes, ses croyances, et il est en train de les montrer à tout le monde. Et il n'a pas honte de les montrer, même si c'est difficile. Donc il ose critiquer. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il est très très fort, et il est en train de valoriser le mec. Il l'a fait très subtilement, il n'est pas en train de dire que tu es génial, mais il dit, ouais, toi, tu es vraiment, tu as la tête d'un comptable. Ensuite, tout de suite après, il dit aux 2 filles, mais vous deux, non. Là, ce n'est pas une nègre. Les nègres, ce n'est pas bien. Mais il retire légèrement un peu de valeur en taquinant les 2 filles. Taquiner les filles, c'est important parce que c'est un peu flirter. Flirter, c'est très attirant pour une femme. Aussi, il a reconnu que le mec, et il était un peu l'homme, et souvent le gardien du groupe, il faut bien séduire l'homme avant de pouvoir séduire la femme dans un groupe. Et surtout en journée, en soirée, si on aborde un groupe mixte. Il faut toujours aborder l'homme, gagner la confiance de l'homme pour ensuite pouvoir passer aux femmes. Les femmes, elles vont reconnaître ça et vont voir que vous avez l'intelligence sociale, que vous avez les capacités sociales, conversationnelles de pouvoir séduire l'homme, de pouvoir entrer dans le groupe. Et ça va montrer une confiance en vous qui est incroyable également. Et là, il fait une dernière chose, une analyse à froid. Elle dit que j'ai l'impression que tu as une maîtrise, un côté où qui maîtrise bien les choses. Analyse à froid, c'est très très important et ça apporte beaucoup de valeur parce que vous êtes en train de lire la personne. Vous n'êtes pas en train de poser des questions de tous les jours. Vous êtes en train de raconter ce que vous avez devant vous. Et ça apporte une grande valeur à la conversation. Donc, même si ce n'est pas le cas, mais juste au bout de 3-4 minutes, il a dit ça parce qu'il avait cerné en elle ça.
Il a osé le dire. Et ça c'est très fort parce qu'il est en train de raconter ce qu'il est en train de constater sur quelqu'un. Et les personnes, elles aiment bien parler d'elles-mêmes. Et vous avez vu qu'il fait à peu près 50-50 dans cette conversation. Il est en train de parler un peu de lui, mais aussi des personnes. Il n'est pas en train de trop donner, donc il laisse un peu le mystère sur lui-même, sur sa vie. Mais il donne un peu. Mais aussi, il passe beaucoup de temps à parler avec ces personnes, de ces personnes elles-mêmes. Dernière chose, il laisse temps pour le numéro au bout d'une dizaine de minutes. C'est une interaction assez longue, mais de bonne durée pour créer un peu le confort. Mais il reçoit la première objection. Je ne suis pas souvent à Paris le week-end. Peut-être, il y a beaucoup de choses là. Peut-être qu'il n'y avait pas l'attraction qu'il fallait. Peut-être que, ouais, elle a senti qu'il l'avait déjà dit. Il n'est pas souvent à Paris. Il est là une fois par mois. Peut-être qu'elle cherchait autre chose. Peut-être aussi qu'elle avait l'impression d'être devant ses amis. Pour moi, ce n'était pas une objection non définitive. Je ne veux pas donner mon numéro. C'est une objection un petit peu pour voir s'il était sérieux dans sa démarche. Il a bien cerné ça aussi. Et ce qu'il a fait, c'était génial. Et il a continué en disant, bah, écoute, en échange de numéro, ça n'engage rien. Peut-être que tu reprends, peut-être que tu ne reprends pas. La force de cette phrase, c'est incroyable. Il ne faut pas le surestimer, sous-estimer. La force de cette phrase, ça veut dire quoi? Beaucoup de mecs, quand ils ont la première objection, ils vont essayer de persuader de manière très logique pourquoi la fille doit lui donner son numéro, parce que c'est un mec bien, il est sympa et je vais rien faire, c'est juste pour prendre un café, pourquoi pas, et donne-moi ton numéro, on peut voir. Là, il n'est pas en train de la persuader, il est en train de montrer son intérêt, son désir pour elle. Écoute, j'ai envie de te voir, on échange de numéro, si tu ne reprends pas, ce n'est pas un problème. Ça montre un manque de neediness, comme on dit en anglais, il n'est pas en manque à ce point-là. Il a envie de la voir, mais il n'a pas besoin de la voir. C'est un trait d'un mec très attirant. Et c'est à ce moment-là qu'il accepte de lui donner son numéro avec volonté. Très volontiers. Et il console, il conforte un peu le numéro en parlant toujours au groupe. Il raconte la petite histoire sur le resto, le derrière, à la fin. Ça montre encore son humour. Ça montre que voilà, je n'étais pas venu juste pour le numéro. Je suis aussi quelqu'un qui sait parler. Je crois qu'il avait déjà fait preuve de tout ça pendant l'interaction qui était très, très forte. Et donc, pour moi, ce sont les points forts de cette interaction. Vous allez voir son langage corporel aussi. Il reste bien fixe devant le groupe. Il accorde toute son attention à toutes les trois personnes en se pointant légèrement plus vers la fille qui l'intéresse, bien sûr, et fait un peu plus de temps à parler d'elle et à la regarder dans les yeux. Mais n'empêche, il n'oublie pas le reste du groupe. C'est important d'avoir cette intelligence sociale, comme j'ai dit à plusieurs reprises, d'être poli, de reconnaître qu'il y a des amis autour. Ça peut faire une pression supplémentaire pour la fille parce qu'elle est en train de se faire séduire devant ses amis. Même si c'est flatteur de se faire séduire, ça peut toujours ajouter une petite pression supplémentaire. Donc bravo, 10 sur 10 pour cette interaction. Il y avait deux, trois choses qui auraient pu, comme j'ai dit, être améliorées légèrement. Genre la validation positive pour moi, c'était peut-être la seule chose, mais vraiment, c'était au top. C'est un élève qui a suivi 3 mois de formation avec nous. Il a fait trois week-ends et c'était la dernière interaction du dernier week-end. Comme vous voyez, il était très fort sur le coup. Il allait sans hésitation vers les trois personnes quand je l'ai poussé à aller. C'était vraiment une interaction presque parfaite. J'aurais pas pu faire mieux de moi-même et je le félicite pour ça. Je sais pas ou non, j'imagine que tu es en train de regarder si tu as revu la fille ou tu comptes la revoir. Mais en tout cas, je pense que pour moi, ce pourrait être un numéro assez solide parce que la confiance qu'il a dégagée en abordant le groupe de cette manière, c'était impressionnant. Impressionnant à regarder, j'ai vraiment pris autant de plaisir à suivre une caméra cachée de mon côté. Donc voilà pour l'interaction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Et je vais juste vous laisser avec une synthèse écrite des points à retenir. Donc je laisse ça à l'écran pour 2 minutes pour que vous puissiez prendre des notes. Je vous encourage surtout à regarder une deuxième fois, ou troisième fois peut-être. Et cette interaction qui est de très bonne qualité, niveau social, niveau interaction, niveau séduction, à tous les niveaux. Et à très bientôt sur Mornikis.
Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez des vidéos à parcourir et il y a le lien pour le site web. Donc faites-vous plaisir. Regardez les autres vidéos qui sont suggérées ici à l'écran et allez parcourir notre site web. Et à très bientôt sur Morning Kiss. Ciao.